Salut la famille, salut la Mifa, salut la mafia. Vous avez vu, hein, Karine te clash après avoir souhaité que Aline ait un cancer, hein, pour une histoire d'argent. Maintenant, elle souhaite la mort de Belita et rigole bien avec Sophie Mengelberg, ben, de la tentative de suicide de Belita. Ils essayent de la faire craquer au maximum en la déshonorant, en montrant ses petites culottes, hein, en appelant toute sa famille, en appelant des amis à elle, comme ils ont fait d'ailleurs avec moi. Ils essayent par tous les moyens, bon, ben, de faire craquer Belita. Mais je vous dis franchement, même si Belita, bon, elle a eu un moment de faiblesse, ça arrive à n'importe qui. Moi aussi, ça m'est arrivé par le passé. C'est une guerrière. C'est ça que vous avez sous-estimé. Vous avez beau tout nous avoir pris, vous avez beau se foutre de notre gueule, vous avez beau avoir volé nos affaires, hein. C'est bien, Sophie Mengelberg, pour une soi-disant avocate, recel de vol, hein. Ah, tu veux te couvrir parce que t'as appelé le commissariat? Mais vous pourrez rien faire contre Bernard et Pierrick qui sont témoins directs dans cette affaire, qu'ils ont essayé de récupérer les affaires. Donc c'est du vrai mensonge que vous avez fait sur les réseaux sociaux, parce que tu sais très bien que le commissariat, c'est pas un dépôt vente. Mais vas-y, hein, fais ce que tu veux, moque-toi de nous, hein, comme t'as fait chez Patrick aussi. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, hein, elle a voulu s'écraser sous une voiture, ah, t'es contente, hein, Sophie Mengelberg, hein, tu kiffes, hein. Mais t'inquiète, tu vois, déjà le bon Dieu s'est occupé de toi, mais je crois qu'il va s'occuper de toi une deuxième fois. Puis ta copine Karine te clash. Qu'est-ce qui va lui arriver? Tu verras. Un jour, on en reparlera. Même si je crève, même si ma chérie, elle crève, on en reparlera. Vous verrez le karma. Il va vous faire du sale.